Bonjour, le but de cette vidéo est de vous montrer comment créer pas à pas une route dans ADI. Donc le but de cette route est de récupérer les données qui sont déjà intégrées dans ADI, comme vous pouvez le voir, la liste de commandes, afin de filtrer ces commandes et stocker dans un fichier CSV uniquement les commandes passées par Internet. Donc pour ça, nous allons cliquer sur Date intégration, Route, New Context Routing, qu'on va nommer Commande Internet. On clique sur Save. Donc, les routes ADI utilisent ce qu'on appelle la page camel, qui est un framework d'intégration qui met en œuvre les échanges entre les messages entre les différentes applications en informatique. Donc, camel peut être utilisé de nombreuses façons sur ADI, donc, comme par exemple la connexion aux sources de données, la mise en forme des données, ou bien la transmission de messages, comme par exemple envoi de mail et autres. Donc, j'ai déjà paramétré le script de page camel qui permet de faire ou filtrer les données passées par Internet. Donc, dans la première ligne qui est le from, elle permet de définir le nombre de fois où la route va être lancée. Donc, pour ce cas, pour les repeats, j'y mets une fois. On veut lancer la route une seule fois. On a la possibilité aussi de faire un cron, qui est la ligne qui est en commentaire, le cron, qui permet, par exemple, de lancer sur une heure précise la route. C'est-à-dire, par exemple, on peut paramétrer ça pour lancer les routes chaque jour à une heure précise. Dans ce cas, j'ai mis, par exemple, j'ai paramétré le cron de qu'il sera lancé chaque 2 minutes. Donc, on va laisser le cas où on va faire le repeat qu'une seule fois. Donc, pour récupérer les données ou pour filtrer les données qui sont passées par Internet, j'ai créé une query qui se nomme, on clique sur query, qui se nomme get canal de vente. Cette query, elle permet de filtrer ou créer une constante qu'on a appelée Internet de type de canal qui est déjà intégré dans ADI afin de filtrer uniquement sur les commandes Internet et récupérer les données qui sont dans ADI. Donc, pour appeler la query, on clique sur Add Routing Context pour copier le script qui fait appel à la query ou au résultat de la query. On clique sur Close. Donc, le script que j'ai déjà copié, donc de la ligne, on se trouve ici la ligne 14 jusqu'à la ligne 23, jusqu'à get canal de vente, le nom de la query. Puis, on a logué sur un message pour avoir le size de résultats obtenus. Puis, on fait un split dans le but de traiter les résultats ligne par ligne. Donc, puis, dans le premier set header qui se nomme type de canal, on récupère la valeur de type de canal de la query. Donc, on récupère la valeur Internet. Dans le deuxième set header qui se nomme canal substring, donc, qui utilise la balise Groovy. C'est quoi Groovy? Le Groovy, c'est un langage de programmation orienté objet qu'on peut utiliser avec Camel pour faire des différentes manipulations, qu'on fait des boucles, pour faire de nombreuses opérations. Dans ce cas, dans notre cas, nous allons utiliser pour récupérer la valeur de header type canal afin de faire un substring pour récupérer uniquement la première lettre du constant Internet, dans le but de passer ce paramètre dans la requête SQL pour filtrer uniquement sur le commande qui commence ou sur les types de canal qui commencent par la lettre I. Dans le troisième set header permet de formater et d'enregistrer la date du jour. Puis, dans la balise tout, donc le résultat qu'on a obtenu de la requête, nous allons l'utiliser dans la liste de commandes, donc la ressource liste de commandes Internet que j'ai déjà créée, qu'on peut visualiser. On clique sur ressources, liste de commandes Internet. Donc, cette ressource, elle permet de faire une requête pour récupérer les attributs de la commande et enfin faire un filtre pour les commandes like qui commencent par la lettre I. Donc, la like, les résultats de header. Canal substring, le header canal substring. Puis on fait appel au connecteur JDBC démon ADI. Puis dans le when choice, donc dans le when, on permet de compter
le nombre de résultats tant que la condition. Donc, nous allons faire la balise Marshall qui permet de faire le type de format ou définir le type de format qui vont prendre les données, qui vont prendre les données, dans notre cas, les données, dans notre cas, la transformation du format JDBC to CSV. Donc, puis on stocke dans le file les informations de la date et du fichier CSV. Dans le premier tout, on va stocker le fichier avec le nom du CSV à partir de la propriété qu'on a créée du chemin. Donc, la propriété, c'est supervision commande Internet qu'on peut voir. On clique sur propriété, supervision commande Internet, la variable stock, le chemin où on veut stocker le CSV. Donc, puis, dans le deuxième tout, on peut trouver le deuxième fichier qu'on veut stocker, c'est le même qui porte le même nom du CSV avec l'extension .done. Et enfin, dans le otherwise, on log un message s'il n'a pas de possibilité d'exécuter les actions citées tout en haut. Donc, on copie le script dans ADI. La route qu'on a créée, commande Internet. On clique sur Save. Donc, avant de lancer la route, on check bien notre path qu'on n'a pas de fichier déjà existant. Donc, il est vide. Puis, on lance la route, commande Internet. Puis, on vérifie les logs. On voit bien que la route fonctionne parfaitement. Donc, dans le header, on voit bien qu'il a fait la requête et l'a vraiment paramétré et filtré uniquement where canal like pour les canaux qui commencent avec la lettre I. On a 30 résultats et le fetch est terminé. Donc, on peut vérifier ça dans le CSV. Donc, on voit bien qu'il y a un CSV qui s'est créé. Donc, on peut cliquer sur le CSV. On voit bien dans le canal, on a 30 commandes qui sont passés ou le filtre, on a enregistré uniquement les commandes qui sont passées par Internet. Donc, vous savez comment créer une route dans ADI et c'est quoi la page camel et les balises qui sont utilisées pour faire les différentes opérations.